Bonjour, bienvenue sur Éduquéthique. Alors, je continue dans mes petites nouvelles habitudes. Donc, encore une petite vidéo de ma voiture parce que c'est encore le matin, juste avant d'aller travailler. Et on est dans le nord et il pleut. Et je vous rappelle que je suis tout au bout de mon parking, enfin du parking de mon travail. Alors, la deuxième habitude que j'ai décidé de prendre, c'est de me relever tôt. En fait, j'ai toujours été plus ou moins une lève-tôt. Moi, me lever, quand on part en vacances, par exemple, me lever à 4 heures ne me pose vraiment aucun problème. Depuis que j'ai accouché de mon fils, c'est vrai que j'ai un petit peu détraqué mon sommeil, c'est vrai que j'ai souvent des nuits où je ne dors pas beaucoup, j'ai des nuits où je suis complètement insomniaque, mais bon, on verra ça dans une autre vidéo. Et donc avant que ma fille aille au lycée, je me levais entre 6h et 6h30 du matin, j'étais la première à me lever. Et puis depuis l'année dernière, ma fille, enfin voilà, ça aussi il faudra que je vous explique. La place, on n'a qu'une salle de bain, donc on est quatre, on doit tous se lever le matin et tous aller au travail le matin. Donc voilà, la place dans la salle de bain, c'est toute une histoire. Je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo si vous voulez. Donc ma fille a décidé de se lever plus tôt parce qu'elle a décidé, avant je conduisais mes enfants à l'école et là, depuis l'année dernière, je ne conduis plus mes enfants à l'école. Donc ma fille a décidé de se lever plus tôt et donc a pris mon créneau horaire dans la salle de bain et donc j'avais pris son créneau horaire à elle. C'est-à-dire que avant, elle se levait à 7 heures et moi, j'avais pris son créneau horaire et donc j'ai commencé à me lever à 7 heures pour partir à 7h30. Ça aussi, hein, je vous dirai, je vous ferai peut-être des petites vidéos. Dites-moi ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, en fait, sur comment j'arrive à me préparer en une demi-heure le matin. Et donc, j'ai décidé de me relever à 6 heures et du coup, ça me permet d'avoir du temps pour moi. De partir plus tôt au travail, de faire plein de choses, enfin voilà, ça me libère, ça me donne une heure en plus, dont une demi-heure toute seule. Et je vous avouerai que quand on est mère de famille, avoir une demi-heure toute seule dans sa journée, eh ben c'est franchement exceptionnel. Et je pense que c'est une habitude qui, au début, enfin encore déjà, vous voyez, c'est le deuxième jour aujourd'hui et ce matin, je dis, oh non, déjà, faut déjà me lever. Et en fait, c'est le fait de se lever qui a été le plus dur, mais dès l'instant où j'étais debout, c'était vraiment top. J'ai pu faire plein de choses. Et franchement, je commence ma journée, mais vraiment zen, prête pour voilà, toute cette journée de travail, toute cette journée de vie, de moments super que je m'apprête à vivre sans stress. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu. Donc, pareil, hein, n'hésitez pas à me mettre votre petit pouce, votre petit pouce en l'air pour me dire j'ai apprécié. N'hésitez pas à partager. Je vous donnerai des petits retours d'expérience sur toutes ces nouvelles astuces que je mets en place. Et voilà, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, hein, et à me partager vous aussi vos astuces. J'aimerais vraiment en découvrir et pourquoi pas en tester et vous faire mon retour sur toutes ces petites astuces. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et soyez la meilleure version de vous-même. Bye bye!